Conférence de presse que nous organisons ici là dans une agence de gens. Mais juste avant, nous commençons à parler vraiment de sujet conférence là. Nous avons changé avec un monde qui est un patrimoine national, qui c'est Gary Victor, que je ne veux dire qui fait du Cali. Au monde de Gary Victor, nous connaissons qui ça nous présente dans notre société, qui fait du Cali sur Maïti, vraiment grave. Et ce n'est pas seulement Gary Victor, il y a plus de monde encore dans le Capofeuille qui fait du caillou. Si nous prenons un monde qui fait un peu de style, je ne veux dire, c'est un jeune effectivement qui prend un peu qui fait du caillou tout dans le char. Donc, c'est un bail qui est vraiment, vraiment compliqué. Si nous considérons également les jeunes artistes qui font ce mode de rival, je ne veux dire, qui dehors. Nous voyons les musiques qui ont interprété de Bito Vaova, je ne veux dire, qui a fait le news sur Internet, qui est très viral. Donc, je dis à nous adresser nous au vrai patron de l'État. Parce que nous constatons effectivement que nous avons une camisole de sécurité. Tout ça nous fait dans le Capofeu, tout ça nous fait n'importe quoi, pour nous associer dans la sécurité, nous voyons c'est Nad Marinade en lien, pas en fait. Ça fait nous adresser nous au vrai patron de l'État. Nous ne pas qui est nous juste faire adresse. Nous avons dit qu'il suffit le battement d'ailes de l'oiseau au Japon pour provoquer une tornade aux États-Unis. C'est pour montrer que le monde est interrelié. Donc, quel que soit le monde qui a provoqué, ou du moins qui a marginalisé l'insécurité dans une zone pour être capable de satisfaire l'intérêt personnel, c'est un grand danger lié pour tout le monde. En considérant l'insécurité à l'aide de commencer dans une zone pistache le 10 novembre dernier, personne ne va pas passer dans les rues. Même les gens qui étaient en bas à Foufaï, ils ne vont pas passer dans les rues. Nous nous disons, nous constatons que nous pouvons faire ça. Toutes les notes français, les cris d'alarme, personne ne va pas prendre. Je ne veux dire, nous, ouais, c'est juste marché Salomon, nous sommes obligés à déménager. C'est juste Borat de Caraïbes, nous sommes obligés à déménager. Ça fait nous dit, cette question de sécurité, on nous suspend marginaliser. On nous fait effort pour nous, ouais, si nous sommes capables de résoudre le problème. Ça. Dans un premier temps, nous changer, nous avons des centres d'hébergement qui étaient dans un lycée Kafoufaï, nous avons quitté des églises dans une zone. Nous avons des centres d'hébergement pour quitter dans un pas Jérémy. Nous rappelons-nous, Eldorado. Nous rappelons-nous que nous avons des tunnels clair et dans l'autre endroit tout dans l'autre place Jérémy. Je ne veux dire sans dévergement ça y est une distance. Raison, c'est parce que monsieur Arméo est venu prendre tout ce territoire, nous n'y a pas carité dans le dévergement. Ça veut faire qui ça? Ça veut faire que une concentration de centres d'hébergement dans le temps capital. Notamment dans la zone Nicapoua et côté en lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, nous avons lycée Firmé et la Pille. Nous avons fait ça. Toutes ces centres d'hébergement. Et nous avons un centre d'hébergement qui nous vraiment prend à cœur, lycée et l'ex-CA. Nous avons saisi comment le monde a vécu dans l'ex-CA. L'ex-CA, nous connaissons que. Le tremblement de terre d'où j'ai été frappé, qui vraiment, vraiment représente le danger de la population. Je ne veux dire, nous avons plus que 5 000 personnes qui ont dormi dans le théâtre. Nous invitons tous les journalistes
nous invitons la presse à regarder, à finir de regarder pour nous voir. Mais qui ça, l'État haïtien, mettez moun Kafoufè, moun Bayejo, moun Foucha, à regarder pour nous, finir de regarder pour nous voir. Mais qui ça, nous mettez moun Kafoufè. Nous invitons le ministre de l'Éducation nationale là, pour les capables de venir finir de regarder dans l'école l'État, pour regarder pour nous voir. Est-ce que effectivement, c'est possible pour l'école d'Aloubou de nous? Et puis lui-même l'a fait des victimes. Par exemple, dans les jeunes filles, il y a plus de 1500 personnes qui ont vécu. Je ne pas dire les gens qui ont abdominé là, non, je dis les gens qui ont vécu. Ni c'est Marie-Jeanne, c'est pareil. Ni c'est Firmé, c'est pareil. Donc, nous demandons des ministres, viens faire visite, ne mettez pas l'hypocrisie. Viens faire visite d'hypocrisie. Dans le lycée, ça, on a l'école l'État, ça, pour voir effectivement si l'école là est possible. Parce que si nous regardons beaucoup de monde là, nous, il y a des gens. Est-ce que les gens qui ont fait tout, ils n'ont pas le droit pour aller à l'école? Si nous parlons de l'ouverture des classes, est-ce que nous allons gagner une ouverture des classes à plusieurs niveaux, à plusieurs vitesses? Donc, nous avons des ministres pour ressaisir, pour lui prendre en considération, parce que, comme il a toujours dit, il y a toujours un moyen. Mais seul moyen qui gagne pour l'école là, ou bien n'importe quoi, il faut que mon Kafoufè retourne à la caille. Nous ne pouvons pas demander, ce n'est pas ça qui est agressif, mon Kafoufè. Ce n'est pas question de bal manger, ce n'est pas question de bal bagage pour le suivi. Moun Kafoufè pa jèm ni pratik sa la kayi. Moun Kafoufè yo pa kwen nan mandisite. Moun Kafoufè yo kwen nan travay. Yo kwen nan des inisiativ ekonomik. Si sa kwen, si moun kon Kafoufè la pouè, jwen yo, se a ou fè yo fè motosiklet. Gen gen ti bizis yo, yap degaje yo, jè yo kapab. Ok, si premier nou, bejè premier nou, se pou nou retourne la kayi. Donc, cette question de l'école ou vous, le handicap gen la, nou di li vraiment pas possible. N'a pas tout annoncé par rapport à l'ampleur crise humanitaire ça guerre en Kafoufè, n'a pas tout profité faire une annonce, n'a pas tout profité faire un appel à moun qui dans zone environnante, notamment moun qui dans zone Paco, moun qui dans zone de Lucy, moun qui dans zone canapé vert pour yo vinn porter solidarité yo ensemble avec nous dans une collecte de dons en nature que nous avons fait dimanche qui vient là devant local Radio Caraïbes. Nous bien dit une collecte de dons en nature, nous pas prendre don en espèce. Quel que soit monde, même soit à l'étranger, on t'a aimé faire un don. OK? Donc contactez nos amis, contactez nos familles qui sont ici, Huawei ça avec lui-même, il est capable de porter ça la porter pour nous devant Radio Caraïbes dimanche qui vient là. Parce que besoin en pile, notamment la question sanitaire, besoin en pile, nous connaissons kit hygiénique et pénissable dans le domaine sanitaire. Et bien, vous, voilà, donc c'est ça que fait, nous avons des moyens pour être capables de porter aide pour nous sur ce point. Et parlant de cet hébergement, nous avons qui vient en ligne de compte, c'est la promiscuité. Depuis Moun Abril, la promiscuité, lui vraiment, vraiment favorable pour venir des maladies qui développent. C'est ça que fait nous bien avec nous, matin là, amis nous, camarades nous, Kelly qui va parler nous un peu de risques qui gagnent dans le centre d'hébergement pour maladies propagées là-dedans et même affecter tout le qui fait tout grandir, qui évolue à vous. Et en tant que jeune universitaire, moi, qui essaie de faire travail, ça passe dans quelques centres d'hébergement pour regarder comment la situation est pour moi. Parce que nous tous qui là nous connaissons bien que grand-pile monde qu'on fait, grand-pile monde qui t'a vécu quand vous faites déjà que t'as vécu dans des situations précaires. Et qu'on a qui viennent à vivre dans le centre d'hébergement, qui viennent à vivre des situations qui viennent beaucoup plus difficiles. Nous tous qui là, le nous apprenons, nous c'est Fatra qui accueille nous. Et Fatra pas un monde, Fatra c'est pas côté monde à demeurer, c'est pas côté monde à demeurer que Fatra doit être. Donc ça c'est un élément qui est essentiel pour nous garder les questions sanitaires monde. Et l'autre bagaille, façon monde à vivre. Pas de l'eau pour nous boire, pas de l'eau pour nous payer, pas de côté pour nous faire besoin, surtout pour les femmes. Pas de côté pour nous faire besoin. De ce fait, nous alerter les autorités sanitaires pour nous fournir garder les gens. Nous sommes d'accord que les gens sont dehors. Nous sommes d'accord que quand vous faites venir un territoire perdu, nous sommes d'accord que les gens sont bon ici pour vivre. Mais si ça m'a aidé, nous m'a aidé pour l'État, pour l'organisation de la santé, pour le ministère de la santé et de la population, voyager, garder les gens. Déjà, vous élément essentiel qui était pour pile parler de lui la semaine dernière. Directeur médical, sanatorium, qui c'est ce qui accueille les gens qui sont tuberculés dans le pays. C'est faire comprendre que ça est dysfonctionnel.
maladies égarées dans la nature. Côté où nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il y a des malades, il y a des tuberculeux qui sont avec nous là dans la santé. Et nous connaissons des gens qui n'ont pas de médicaments, c'est des gens qui n'ont pas d'assistance médicale. Donc c'est des gens qui sont susceptibles de faire passer la bacille de coq, la béca, qui c'est agent pathogène, agent qui bat maladie tuberculeuse. Donc il y a un risque élevé pour que le taux de tuberculose dans le pays ait augmenté, surtout dans la ville. Souvelé, en aider pour mettre ça à des films avec autorité la santé pour voyager sous mon qui a vide la situation que nous-mêmes nous sommes là, que nous-mêmes nous sommes capables de retransmettre par internet pour comprendre le niveau de précarité qui existe là. Pour pas cette maladie qui n'a pas évolué, nous n'avons pas assez de temps pour nous évoquer tout. Souvelé, toute organisation qui a conscience de ça, qui a moyen, rejoignez mon dans le centre d'hébergement de sorte que nous sommes capables de porter assistance avec eux parce que nous avons vu une précarité qui est vraiment inexplicable. Merci à vous.